De mes 15 ans que j'attends un mouvement comme ça, et en fait c'est arrivé. C'était un mouvement humaniste, ouais. Et qui porte des valeurs humanistes, et que c'est tout simplement des gens qui ont besoin d'exprimer leur souffrance et les souffrances sociales, leur souffrance, leur colère aussi, ouais. C'est un mouvement qui m'a plu, ouais. Et maintenant, avec le recul, la synthèse qu'on pourrait dire de ce mouvement, c'est qu'il se base sur trois piliers fondamentaux, qui est l'urgence sociale, l'urgence climatique et l'urgence démocratique. Et même chez les gilets jaunes, je le vois pas encore beaucoup suffisamment, pas suffisamment. D'accord. En tout cas, c'est la réforme de l'assurance chômage. Oui, celle-là, elle est peut-être même encore pire que la réforme de la retraite. Ce mouvement a soulevé une problématique, ouais. C'est celui du combat médiatique des médias indépendants. Enculé vite, car de jeu, c'est pour les vifs, il y a eu
Honte à toi. SNCF. Eh la SNCF, honte à toi. Point d'abruti. Abruti. Abruti. Comme ça là, oh. Comme ça là, oh. Elle m'envoie. Donc du média le vécu, donc ça fait longtemps que tu fais des manifs. Alors moi j'étais gilet jaune le 17 novembre sur le pont d'Aquitaine. Ouais. Ah ouais, là c'est. Ça fait depuis l'âge de mes 15 ans que j'attends un mouvement comme ça. J'y croyais plus, je pensais que ce serait impossible en France. Et en fait c'est arrivé. C'est arrivé. J'étais un peu sur mes gardes au début. Parce que je ne savais pas trop qu'est-ce que ce serait. Ouais. Et puis quand je suis allé sur le terrain, que j'ai vu que c'était un mouvement humaniste ouais. et qui porte des valeurs humanistes et que c'est tout simplement
des gens qui ont besoin d'exprimer leur souffrance et les souffrances sociales. Leur souffrance, leur colère aussi, ouais. C'est un mouvement qui m'a plu. Ouais. Et maintenant, avec le recul, la synthèse qu'on pourrait dire de ce mouvement, c'est qu'il se base sur trois piliers fondamentaux, qui est l'urgence sociale, l'urgence climatique et l'urgence démocratique. Au final, les Gilets jaunes, on peut le résumer à ça, à ces trois piliers-là. Ah, c'est une belle phrase, à l'intérieur de ces trois piliers, vous allez retrouver les 42 revendications des Gilets jaunes qui ont été listées et envoyées l'année dernière, ça fait bientôt un an maintenant. Donc quand les gens, y a des gens qui vous disent qu'on ne sait pas ce qu'ils veulent les Gilets jaunes, il faut leur expliquer que ce qu'on leur explique depuis un an, on sait très bien ce qu'on veut et voilà. Alors après, moi j'ai pris du... Et donc c'est listé dans ces 42 revendications qui peuvent se regrouper, toutes les 42 revendications peuvent se classifier dans ces trois piliers que j'ai cités tout à l'heure. Parfait. Alors après, moi j'ai pris du recul progressivement par rapport au mouvement, tout simplement parce que j'ai pris conscience qu'il y avait un combat aussi, en fait ce mouvement a soulevé une problématique, c'est celui du combat médiatique des médias indépendants. Exactement. J'ai vu d'ailleurs ton brassard à la presse aussi. Ben ouais, donc du coup maintenant je ne suis plus Gilet jaune, mais évidemment il est toujours dans le cœur. Ouais. Je connais tout le noyau dur à Bordeaux qui ont été là à même pas à 30. D'accord. On était plus que 30 cet été. D'accord. À Bordeaux. Donc il y a un noyau dur qui vraiment, je peux vous garantir qu'eux ils lâcheront jamais rien. D'accord. Ils sont là depuis le début, ils ont jamais loupé un seul samedi de manifestation. Même quand on leur disait soi-disant que ça servait à rien. Ça n'a pas servi à rien, ça a servi à avoir un fil conducteur. Fil conducteur, maintenir le mouvement. Jusqu'à la rentrée, qu'on savait que la rentrée serait chaude. Et il y a plus de monde maintenant que cet été. Évidemment, tout le monde connaît les dates importantes. Ouais, on est d'accord. Le week-end prochain et le 5 décembre. Et le 5 décembre. Et après, ben, on verra ce qui va se passer. Mais pas beaucoup de gens en parlent. Moi, j'en parle beaucoup dans mon média. Il y a une réforme qui est passée, dont personne ne parle. Et même chez les Gilets jaunes, je ne le vois pas encore beaucoup suffisamment. Pas d'accord. Suffisamment en tout cas. C'est la réforme de l'assurance chômage. Oui, celle-là, elle est peut-être même encore pire que la réforme de la retraite. Est-ce que tu peux parler de ton média, rapidement, comme on partage, on va... Cette réforme, elle nous détruit vraiment, elle va faire très très mal à beaucoup de gens. Et donc mon média, ça s'appelle Irmo Média. D'accord. Donc c'est un média indépendant qui couvre les événements, évidemment, principalement des Gilets jaunes, mais pas seulement. Aussi des événements de toutes les luttes sociales, donc syndicales, les violences faites aux femmes, j'ai couvert des marches, la marche des femmes, j'ai couvert la marche des jeunes pour le climat aussi. Pour le climat, d'accord. Justement, le fait de faire ce média, ça m'a permis d'élargir un petit peu au-delà des Gilets jaunes, même si évidemment, toutes ces luttes, finalement, les Gilets jaunes les portent aussi, en vérité. Mais bon, je pense que les citoyens lambda français, il a besoin de catégoriser, d'y voir clair, etc. Ouais, il faut de la pédagogie, l'expliquer. Ça prend du temps pour que les gens se rendent compte qu'en fait, depuis le début, les Gilets jaunes, ce qu'ils revendiquent et ce qu'ils dénoncent, c'est l'agrégation de toutes ces luttes sociales. Eh ben, merci beaucoup. Voilà. Écoute, le message est partagé. Et alors, redis-nous juste une dernière fois ton média et après, je te laisse tranquille. Donc, c'est Irmo Média. Irmo Média. En contact avec Gabin dès le début. Dès le début, et ce que tu es en train de faire, j'étais censé le faire depuis très longtemps. Sauf que j'ai fait un choix, moi. Différent. J'ai fait le choix de ne pas faire de live. Ok. J'ai fait le choix d'un média où j'ai le temps de traiter les images, de traiter l'information, de faire le montage et de donner vraiment de l'information réfléchie et traitée avant la diffusion. D'accord, bon courage. On a besoin de gens qui font des lives, c'est un autre type de média. C'est complémentaire. C'est complémentaire. Merci à toi. Merci, et merci à toi d'être sur Bordeaux aujourd'hui. Merci, salut. Donc vous voyez, des gens déterminés, on en trouve partout. Des médias indépendants. Si vous voulez que les médias indépendants existent, vous connaissez le message.